studio. Bien-aimé, ce soir, Satan a des très sérieux problèmes. Ce soir, le royaume du diable sera ébranlé parce que nous sommes suffisamment armés par la puissance de Dieu pour détruire les œuvres du diable. La Bible déclare que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme nous a mandaté, nous a équipé pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi ce soir, quelle que soit ta condition, quelle que soit la durée de ton problème, je te dis que tu vas rencontrer la puissance de Dieu. Il ne sortira pas tel que tu es venu. Nous croyons à un Dieu invisible aux actions visibles. Un Dieu invisible aux actions visibles. Nous ne pouvons pas le voir, mais quand il se manifeste, nous pouvons voir qu'il est là. Et ce soir, ce Dieu-là fera quelque chose dans sa vie. Tu peux acclamer encore très très fort l'éternel notre Dieu. Amen. Satan a peur. Satan is scared. Il sait que ce soir il aura des très sérieux problèmes. Nous ouvrons nos Bibles. Let's open our Bible. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. In the book of Revelation, the last book of the Bible, chapter 5. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au cinquième verset. We're going to read from starting the first verse to 5. Nous lisons au nom de Jésus. Let's read in the name of Jesus. La Bible déclare: puis je vis dans la main droite de celui qui était sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir les livres, ni de les regarder. Je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des anciens me dit: ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Parole du Seigneur. Word of God. Fermons nos yeux, nous allons prier. Eyes, we are going to pray. Seigneur, merci. Lord, thank you pour cette opportunité. For this opportunity. Révèle ta pensée à ton peuple. Reveal your thought to your people. De manière à ce que ton peuple comprenne, Seigneur, ta volonté. So that your people can understand your will. Et il ne sera pas ébranlé. And they will not be shaken. Ni encore apporté à tout vent des doctrines. And beaten somewhere from different doctrine. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Enseigne-nous ce soir. So teach us tonight. Nous t'avons ainsi prié. We pray like this. Amen. 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 Je ne te sens pas dire amen plus fort que ça. Nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. We've read the word of God in the book of Revelation. Apocalypse est tiré du grec apocalypsis. Revelation is coming from Greek. Apocalypsis. Apocalypsis. Qui veut dire le dévoilement des mystères cachés. It means that to unveil the mystery. Et le mystère caché dont on est en train de parler dans ce livre, c'est la vérité de Dieu. The hidden mystery in this book is the truth. Et bien aimé dans le Seigneur, c'était une vérité qui était cachée. It was a truth, but it was hidden. Mais Dieu n'a pas voulu à ce que cette vérité reste cachée. But God didn't want that truth to be hidden. Dieu va envoyer son ange. God will send his angel pour venir révéler ce mystère caché. To reveal that hidden. Pour que le peuple de Dieu ne soit pas dans l'ignorance, so that the people of God must not be ignorant, mais que le peuple de Dieu arrive à comprendre des choses qui font leur force, so that the people of God must understand those things which are making them strong. La Bible dit ceci: the Bible says, errez ceux qui lisent,
Help you those who are reading. Et qui entendent les paroles de cette prophétie. And they can understand the word of this prophecy. Ce soir, je vais te dire que tu es un homme heureux, tonight, une femme heureuse. Tonight, I would like to tell you that parce que tu es l'opportunité, happy woman, because you have the time de lire, to read, et d'entendre, and to understand le parole de cette prophétie. The word of this prophecy. L'homme de Dieu, the man of God, les disciples bien-aimés de Jésus-Christ, the beloved disciple of Jesus, se trouvaient dans l'île de Patmos. He was in the island of Patmos. Et c'est de là où il a reçu la révélation de ce livre. And from there he received the revelation with l'ange de Dieu est venu. The angel of God came pour l'aider à comprendre ces choses. To help him to understand these things. Là où nous venons de lire, peuple de Dieu. The place we read, la Bible est en train de nous parler sur un livre qui était écrit en dedans et en dehors. The Bible is talking about the book which was written inside and outside. Que personne ne fit trouver digne de lire. No one was found worthy. Personne ne fit trouver digne pour regarder ce livre. No one was able to look at that book. Ni encore à mesure d'en rompre les sceaux. Even to break the seal. Mais ce livre contenait la vérité. But that book has the truth. Ce livre contenait des révélations. That book had the revelation. Ce livre contenait le plan de la rédemption. That book has the plan of redemption. Nous parlons de la rédemption. We're talking about redemption. Comme le rachat d'un esclave. As to redeem a slave. Le mot qu'on a transmis rédemption vient du grec. The word redemption is coming from Greek. Agorazo. Agorazo. Qui veut dire? It means acheter un esclave au marché. To buy a slave in the market. Pour l'amener qu'il soit à votre disposition. To bring him so that he can be your own. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, when we're reading the word of nous God, comprenons que Adam et Ève étaient devenus esclaves du péché. Qu'elles avancent. Yeah. Vous voulez qu'elles avancent. Yeah. Vous voulez qu'elles avancent. Yeah. Vous voulez qu'elles avancent. Aussi longtemps qu'elles vont te lire. Un jour, la Bible déclare. One day the Bible declares. Les pharisiens ont demandé à Jésus. The Pharisees they asked Jesus. Seigneur, Lord, la loi de Moïse ou un mal, peu importe. Bad or good. Mais ce qui est important. But parole qui vient de Dieu. The word coming from God. Pourquoi Job pouvait dire. That je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera. Il se lève et il parle. Tout ça termine. Alléluia. Et ça ne peut jamais être effacé. Il n'y a aucune corde. Les pharisiens ont parlé. Le Seigneur a commencé à écrire. Le Seigneur écrivait l'histoire de ta vie. Le Seigneur écrivait ton succès. Que tu souffres dans sa vie, Père de Dieu. Que tu souffres dans sa vie, Père de Dieu.
Soki na pesi bomoi na ngate pa ina yo na kopesa